Bonjour les amis, salam alaikum. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un phénomène تاع الحراقة. الحراقة اللي يحوسوا رجال شيوخة مايا نساء عجايز يحوسوا يروحوا لأوروب. ألوغ ستاد فينومين هذا الناس اللي اكسبلوات ناس عربين باش يروحوا ceux qui sont contre le pouvoir يحاولوا يحصلوا في الحكومة باللي هي à cause de les jeunes arabes alors que nous ناس اللي قاريين وفاهمين يعرفوا باللي سي باغي سا ما ريان افوا avec l'état puisque président مسكين دار لهم une allocation chômage, mais dans le monde qu'il y a, 18 000 dinars, plus une carte chifa, avec laquelle ils besoin encore plus d'argent, puisqu'ils perdent le poids. Alors je voudrais attirer l'attention des dirigeants de ce pays. Il faut laisser l'haraga, je ne veux pas dire les encourager, je veux le dire, mais il faut les laisser. Il faut les laisser à l'argot. Pourquoi? D'abord, on purifie le corps d'un Jazaïrien. On purifie. Deuxièmement, une fille ou un des jeunes, les rêveurs, cette Garo, ou cette Zitla, وقاعد يحلم يروح للخارج ويدير ويتزوج ويلعب طوموبيل ويلعب هذه نفيقوه خلوهم يروحوا تما ميزيريا باش يعرفوا لو راف بلي سي تا راف سي با انتردي دريفي معليش pour purifier. Finalement, tous les héros yahargou. Faut analyser tous les héros yahargou. Héros les Algériens, les manches cadrés, les manches habib, où ils font pas confiance dans leur pays, yahargou. Les gens bien, karim ou khdamin, où ils font confiance au bledor, regardez nana. يقراو يسفور يتعلم ميتي راهم يخدموا راهم يحلوا في الستارت اب رانا نشوفوا فيهم والناس اللي ما تخدمش تحوس على عمرهم سهله افيغ دونك لو ريف داري اون اوروب وانت راهم يعرفوا واش تقول لك واش يقول لك يقول لك نربح انا تبعوا مليح نربح 10 يورو 10 euros ou là 20 euros puis francs ça faut la multiplier par 25 tu sais voilà son calcul mais ajoute le quand il y a qu'un عنده مادي يشرب عنده مادي يضرب قهوه ب 4000 يخبز ب 1000 فرنك شكاره تاع حليب 2005 وعايش عنده مادي يروح تما لو لوي برك يعرف en plus d'une magna. Donc, je suis pour, ou la preuve, je vois Kais Saïd, président tunisien, comment il a marchandé, il a réussi, l'intelligence, il a réussi, à faire cracher l'Europe, 900 millions d'euros d'aide, 900 millions d'euros d'aide, باش كي يبلوكي لي ميغرا قالوا مو يا با بروبليم فو كراشي فو نو دوني دو ماتيريال في لي 900 مليون هادو ان ماتيريال سوفيستيكي لا ماري وحنايا الى ريوسي افوا 900 مليون مي هو سا مونتيريسي با سا كي مونتيريسي اون بروميي ليو
ب 900 مليون، هذا يوم زياده صار انتريسي لابوي دو لوروب لونيون اوروبيان، جات المعلمه تاع لونيون اوروبيان جات لتونس المان مع لا مع البريمير مينيستر ايطاليان، يا ردي او بريزيدون تونيزيان رانا مساندينك. دونك خلاص الكو ديتا ونحال والكو ديتا وجدا قاعد نساوي خلاص، ماتنا حبسنا غير لي ميغرون. دون لي غير دون لي ديفيرونت غير كاين بوكو دا كاين لا سيبر غير، كاين لا كاين لي غير بار امبوازونمون. هادي لي ميغرون سي اون فورم دو غير اون ديريكسيون دو لوكسيدون نوتامون لا فرانس. حنا فرنسا نو بوري لا في، نو انسولت، ال فو با تصار بدزاير لا جوستيس الجيريان، نو دوني لي مارسينيير لي انتما فو با لو ديكلاري لا غير بلي بلي زافيون اي تو. On a déclaré la guerre, on est sans immigrés, on est sans immigrants, ils rentrent maintenant. On ne les bloque pas. Hein. Parce que la marine travaille, la gendarmerie travaille, la police travaille. Chaque fois, nous sommes en train de démanteler les réseaux d'immigration. Il faut les laisser. Qui m'a dit l'homme, qui m'a dit l'homme, Erdogan. Erdogan, quand il n'a pas voulu faire les 2 milliards d'euros chaque année, quel endroit ? Je vais libérer un immigrant, je vais me mettre. Ils ont eu peur, la Turquie, ils se ils ont eu peur, ils ont payé. Qui a eu le droit de l'homme avec 19 machins ? Quel endroit ? Vous ne payez pas. Allez, quel endroit je vais libérer l'immigrant, je m'en dis. Je ne sais pas combien, 1 million. وقيل ولا 800 ميل راهم اون تركي حاصلين مزيرهم. اي يا دي تكنيك بور لي ليبيري سي كوا بيرسون نو بي بروفي لو كونتخير. قال انا يهربوني من الكون راه جبي سونكسيوني هذاك الديريكتور تاعنا. الناس اللي تعرف تخدم هرب. Et le directeur du camp, il est défaillant, il a été limogé. Romains, les Turcs, c'est eux qui les ont libérés. Le pari d'après le Haragin, moi j'ai rencontré un, il y a un an et demi ou là deux ans, m'a menacé en Erdogan, qui avait préparé le ferro. Mais où je suis au ferro, je suis allé au miroir. C'est une arme de guerre à Gnala. On fait d'une pierre deux coups. On va empoisonner la vie à la France. Lula. On crée les migrants, les patelons. Les patelons, rien ne les voit. Ça va aider les drogués. Il y a des techniques. Il y a des techniques. Créer l'homme, organiser une évasion. Ok. Et c'est la sécurité de l'Afrique. Créer l'homme. Nes. Mais je ne sais pas. واحد ان انترميديير يدي الدراهم عليهم ويخير لي بلو فوال ويركبهم في البوط ويبعثهم. هاد دونك نبعثو لهم لي ميغرون بلوس كي مون فو يسون انكابابل دو بروتيجي لور بيي. دوزيامون يسون بريزوني دي زورغانيزاسيون هادوك تاع ترافيك تاع لي ميغرون وتاع دي زون. Il a goûté mal que les autres territoires français, nos droits, les organisations. T'as grimpé, t'as ceci, non, vous n'avez pas le droit de venir fouler, vous devez les accepter. La seule Premier ministre qui a des couilles, c'est avec le Premier ministre italien. C'est une femme, elle a des couilles. Elle a dit non, mais trop gentil. Allez. C'est pas bien. La seule femme courageuse, c'est Mélanie, la fille Mélanie. Maintenant, vous dirigez
Vous ne laissez pas le bateau accoster avec le fameux bateau. Oula, l'Union Européenne, ils vont condamner, ouais, mais c'est merde absolument. Donc, on est en fait du pire de goût. La première, c'est de les envahir. Boumidine, qu'elle a arrêté, où est-ce qu'elle boumidine ? La rahmo ! Boumidine, c'est un kbir, c'est pas n'importe qui, mais qu'est-ce qui peut le remplacer aujourd'hui ? De l'homme, la conférence islamique, fait la or, en 1970. De l'homme, nous allons envahir le nord grâce au ventre de nos femmes. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il veut dire le Batou, les Mohamed, les dieux Haradine ou les dieux Bilkouar, ils ont joué avec des Françaises, les dieux musulmans, les dieux boulettes musulmans. Et c'est comme ça qu'on envoie un pays, doucement, hein? La France maintenant. Ah, l'exemple concret, il est en France. Et Zemmour, il a compris. C'est le remplacement des Ayatollahs. En France, les musulmans sont en train de prendre l'ascendant avec les Français, les naissances. Ou bien, avec le temps, il y aura plus de musulmans en France que les Français de souche, qui devront par la suite quitter la France, se sauver. C'est-à-dire le même scénario qui m'a dit en Algérie en 1962. La mort ou la valise ou la mort. Ça va être pratiqué en France. Les Français aujourd'hui, les pauvres Français, les couilles mortes, sont obligés de quitter leur maison pour aller dans des quartiers sécurisés, d'une ville à une autre, d'une ville à une autre. Ils ont quitté gars les quartiers chauds, les immigrés, ils sont installés. Et ça va être comme ça, dans 30-40 ans, les Français ne trouveront plus dans ton royaume. Ils iront vers l'Angleterre, vers les États-Unis, vers la Hollande, vers la Suisse, vers d'autres pays. C'est comme ça, c'est la loi. Donc l'Algérie va gagner donc doublement. Premièrement, on leur envoie de la merde, le bateau au long, comme ça, il y a Hasselhoff. Et nous, on se débarrasse de toute la mauvaise graine. Il y a qu'en agriculture. C'est ça, en agriculture, qui m'ont donné les arbres, la mauvaise graine. Je dis, regarde-toi, avec moi. Le bâton, tous les rêveurs, mais les messes, les rêves, ils rentrent en France, ils pourrissent la vie aux Français, ils roulent de sous les ponts, ils s'imposent, ils violent. Attends, c'est ça. C'est une nouvelle guerre. On déclare la guerre aux Français. En laissant les immigrants, partir vers la France. Les Français, ils ont peur. Et la preuve, ils sont incapables, les Français sont incapables de se défendre. En faisant Haja Serre, en élisant Marine Le Pen ou Zemmour comme président. Et ils règlent leurs problèmes. Avec l'immigration. Ils ne veulent pas. C'est des machos. C'est des machos, mais ils ont un bois. Ils ont la douleur. Donc voilà ce que je voulais dire sur l'immigration. Et puis, on en a marre. Toute la journée, il dure 18 minutes. La 4 chiffres. Mais le manche. Il dit qu'il faut chira, oui, bien, les psychotropes, oui, dénigre l'étranger. Non, le bled. Il a dit, mais je suis bled, il a dit. Mais qu'est-ce que nous avons, le bled, il a dit, mais qu'est-ce que nous avons. Oh, de l'autre côté, il faut aller. Eh bien, il faut le laisser aller de l'autre côté. Puisque la France ne veut pas leur donner de visa. Et la France,
Vous le savez, elle a voulu faire du chantage à l'Algérie. Elle a voulu faire du chantage à Zahir Blivis. On va diminuer de 50%. On va diminuer de 60% pour que les gens se soulèvent. Alors, je vais dire, comme le cocotte ministre qui est dans la pression, comment ils ne veulent pas donner de visa? Nous, on les laisse partir. Il faut être intelligent aujourd'hui dans le monde. Tout est intelligence. C'est une guerre d'intelligence. Les gens les plus intelligents qui réussissent. Mais j'ai même les fonctionnaires gardés dans l'année. Nessinao l'ordre du président, Nessinao. Ma batch Maria. Il n'y a pas d'instruction. Allez, on dort. Dormez. Il n'y a pas de gens qui prennent des initiatives. Prenons les initiatives. L'objectif obéit l'objectif. Notre pire ennemi, c'est la France. Je ne parle pas du peuple français, je parle de l'État français. Notre pire ennemi, c'est l'État français. Et la preuve est devant là, tous les jours, la justice, elle demande d'extrader des personnes recherchées par la justice algérienne. Non, on ne fait pas confiance à la justice algérienne. C'est des délits politiques. Alors que ce sont des affaires de terrorisme, ils ont brûlé en Algérie, ils ont donné de l'argent aux Algériens pour brûler, et pas uniquement, c'est politique. Et eux, quand il s'agit de la Corse, ils mettent les forces spéciales, ou ils tirent à la Corse. Ou tu as des dirigeants algériens, gardiens. Oui, ça, on va réfléchir. Non, monsieur le président, non, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Eh bien, regardez où vous réfléchissez. Non, dans la diaspora. Mais la diaspora, ce sont des Français, d'où la soie, c'est des Français. Il y a pour la France plus que l'Algérie. Et ils sont d'intelligence, ils sont intelligents. On aime notre pays, Où le président, on est halal. Mais j'ai la preuve, Radio, le jeune avec Maël, les Français, les hommes politiques français, le traite de délinquants, 15 affaires en justice, il n'a pas voulu se faire contrôler, l'Algérie, dirait bien comme lui. Alors qu'il n'a rien d'Algérien. Les Algériens ont fait Zéle, ou les Algériens ont fait France, mais ils n'ont pas de nationalité. Ce sont des nationalistes. Ils ont fait en France, ils ont fait Zéle, ils ont fait Zéle. Ils ont fait Zéle. Ils ont fait Zéle. Ils ont fait Zéle. C'est un Algérien. Mais je refuse de dire que c'est un Algérien. Allez, salam alaikum.